Hello everybody, bienvenue dans mon studio. Grâce à votre générosité et au soutien de la société Verticale, nous pouvons vous faire déguster une deuxième confiture. Pour cette jam session, on continue dans l'inattendu. Aujourd'hui, nous allons recevoir un guitariste inconnu et un drôle de cuisinier. Pour commencer, notre chef est un auteur, comédien et humoriste qui me fait vraiment beaucoup rire. C'est Lig. Le guitariste inconnu est surtout connu comme inconnu. Mais peu de gens savent que c'est un excellent guitariste, auteur-compositeur, Didier Bourdon. En plus, il n'est pas venu seul, mais bien accompagné par Marie-Sandra. On fait chauffer le four, les amplis, on laisse mijoter et on déguste. Alors, comment tu la trouves, ma cuisine? Tes cuisines sont magnifiques. Franchement, bravo le cuisiniste. Hein. Ben, c'est moi. C'est vrai? Ouais. Sérieux? Ben oui, c'est... il y avait... Ben, confiné, il n'y avait plus d'ouvriers. Tu penses que je suis pas plein. Il y a un inconnu à ta porte. Célig. Bonjour Célig. Enchanté. Didier Bourdon. Bonjour, enchanté. Et cette charmante dame, oui. Marie-Sandra. Marie-Sandra. Grande voix, chanteuse de blues. Oh yeah. Ma moitié. Okay. Enfin, je suis plutôt sa moitié. Bon, qu'est-ce que tu nous mets? Alors, c'est un fond de guitare. Ouais, c'est il manque le manche. Il manque le manche. Ouais, exactement. Pas toi. ça fait. Moi, je suis cuisinier depuis il y a 20 ans. Hein, donc là, j'avais prévu de faire un dos de cabillaud rôti avec un petit peu de légumes du jour, enfin, légumes bien, de ça. Saison. Hein. Donc moi, le cabillaud, c'est pour le fish and chips. Ah bon. Et de toute façon, moi, je voudrais que tu me fasses ce que tu as fait pour ton CAP et ton brevet. T'es sérieux? Moi, j'étais tout pour faire donc du poisson. Donc tu tires au sort et tu nous fais ça. Non, mais ça remonte à 30 piges. Eh ben oui, ça va te rajeunir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je m'en rappelle. Hein. Oh! voilà. Pintado rôti sur canapé avec farce à gratin. C'est-à-dire foie de volaille, nanana. Et surtout les petits canapés dans le pain de mie avec des pommes braisées. Oh là là. T'as acheté tout ça pour oui, faire. J'ai tout moi, tout donc ce qu'il y avait dans... Donc en fait là les trois c'est tout pintado rôti. Non, les autres c'est différent. Il y a gigot à la menthe, il y a... Non, pintado rôti sur canapé. T'es un malin. Oh, pintado rôti sur canapé. Ouais, oh, l'enfoiré. Donc t'as acheté tout ça? Oui. Oh là là. Bon ben hein. Je suis en stress là. Bah, bon courage. Ouais, nous, merci, on va faire de la musique. Bah, tout à l'heure. Que j'ai pas fait la recette là. Bon, ouais. Bon courage. Bon, bah, là t'as 30 ouais. Minutes. Jouez bien. Hein. Et moi aussi je flippe. À tout à l'heure. Non. Bon, et ben il faut y aller. Au boulot. Alors, il nous faut eh bien, un pintado, enfin de la pintade, des oignons que j'ai émincés, voilà, des échalotes que j'ai ciselées, des bouquets garnis, du cognac, un peu d'huile, de la barde de lard pour le gras c'est la vie, du beurre, une brunoise de carotte pour faire le jus et les foies de volaille qui vont nous permettre de faire la farce, qu'on appelle la farce à gratin, qu'on va mettre dans des petits canapés que j'ai déjà taillés en pain de mie, j'ai bien réussi, hein. des pommes que je vais braiser à la poêle tout à l'heure. Voilà, allez, c'est parti. Chef, ça va? Bonjour. Bonjour. Ah. Bah, je me disais, c'est cool, je cuisine avec la musique, mais est-ce que vous entendez mon odeur de... Oui. Non, ça vient un peu, non? Et ça sent pas, non? On a beau être matinal, ça nous fait mal. Hein. Ah ouais, c'est ça, mais ouais. Bientôt. Hein. Ça va, sinon? Bon, ouais. Je vous laisse travailler, alors. Hein. Moi, j'y retourne. Ah, mais... Je sue à blanc des échalotes, si ça vous intéresse. Bon. Alors... Non ouais. Bon, ouais, faites pas les malins, parce que je pourrais revenir jouer du tambour. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, vas-y, viens jouer du tambour. Hein. Retourne sur ton piano. Joli, pour un musicien. Ouais, allez-y. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui, quand même. Ouais. Ah, j'ai joué dans ma cour. Ça sent bon. ça sent c'est qui? Mais oui, ça sent bon, c'est terrible. T'as comment de l'émulsion. Concentré, ouais. Bah, c'est moi, en vrai. J'ai faim. One, two, three. Thank you.
nothing you can tell. Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, order for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange the walk on part in the war for a lead role in a cage? Il y en avait pas dans le frigo là? Non. Il y a l'arbre dehors, je vais en prendre une. Bien. Bon. Ah, c'est sur là, c'est bon, c'est bon. Bon. Alors? Et vice versa. Bon, ça se passe bien avec Didier, il joue bien. Ouais, c'est vrai qu'il savait pas qu'il jouait pas. Et après, pareil, on met le doigt sur l'économe comme ça. Je vous donne une astuce. Et on tourne. Et voilà. Et j'ai encore des restes hein, quand même. Hein. Tac. Et voilà.
Paf, la guêpe. Le jus, il est impeccable. Ouh là là. Allez, on continue, on se ramollit pas là. J'aurais pu tout aussi bien vous chanter un opéra de Verdi façon Pavarotti. Être inspiré, savoir trouver les mots comme Victor Hugo. Vous m'avez dit non, ne complique pas, et simple on t'en voudra pas. Ça tourne. Juste un fa, un do et un mi, trois accords pour une mélodie. Un je t'aime, un tout petit I love you baby, pour faire rêver les filles jalouses et jolies. Un sol, un do et un mi, trois accords, une mélodie. J'aurais pu faire l'artiste un peu bizarre, tout seul à la guitare façon Django Reinhardt, ou m'inventer des trucs hyper balèzes dirigés par Pierre Boulez. Vous m'avez dit ces gars-là connaît pas, un conseil oublie tout ça. Ça tourne. Un sol, un do et un mi, trois accords pour une mélodie. Un je t'aime, un tout petit I love you baby, pour faire rêver les filles jalouses et jolies. Un sol, un do et un mi, trois accords, une mélodie. Arriva. Et quand je t'ai dit tout bas dans tes bras, le hasard n'existe pas. Citant Nietzsche et Spinoza. Et quand t'as voulu baisser les lumières, je t'ai parlé d'Heidegger. Tu m'as dit pour être heureux dans la vie, oublie ta philosophie. Ça tourne. Juste un sol, un do et un mi, trois accords pour une mélodie. Un je t'aime, un tout petit I love baby, pour faire rêver les filles jalouses et jolies. Un sol, un do et un mi, trois accords, une mélodie. D'un petit tea time. Qu'est-ce que vous en direz ? Moi, je m'en fous, je suis britannique, je dis ce que je veux. Au contraire, moi, je trouve ça super. Au Pays de Galles, ils le disent, hein. Bah, si tu veux, en note de musique, j'ai fait à peu près pareil que lui en, dans la langue. Donc ça passera, ça arrête à... Tradition veut tea time. Donc, Cloud of Milk. Yes, thank you. Je n'ai pas de milk, non. J'ai pas dit un nuage anglais, un nuage espagnol. Alors, il y a une façon de servir le thé qui est très... Ah, c'est comment ? On se sert soi-même d'abord, ah, oui. Un tout petit peu, et après on fait le tour. Ah ouais. Pourquoi ? Au cas où il soit pas bon ? Non, ouais. C'est parce que... Pas beaucoup pour moi, oui. Pas beaucoup comme merci. Ça ? Ouais, très bien. Parce que quand on revient, celui-là il est plus faible, et donc quand on revient à la fin, c'est le plus fort. Ah. Didier, je voulais te parler d'un truc. Personne ne sait, ou peu de monde sait, que tu es un super guitariste, auteur, compositeur, interprète. Et moi, j'ai vachement aimé
les chansons que tu faisais sur les vampires. Et ça, c'est avant Les Inconnus. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à 20 ans, j'ai écrit tout un spectacle que j'avais joué au Tintamarre, qui était l'ancien Splendide, et avec que des chansons de vampires. Et le producteur qui croyait en moi, c'était un garçon qui s'appelait Jacques Play, qui est décédé depuis, et qui était entre autres le producteur de Joe Dassin. Ouais, donc c'est un souvenir un peu bizarre, parce que je faisais ça en première partie, dans un café-théâtre. Donc. Mais j'ai un très très beau souvenir, parce que d'abord c'est un univers qui m'a toujours plu, les vampires. Pourquoi, je ne sais pas, quelle heure il est. Encore un peu, mais le soleil va se coucher. Bah peut-être que aussi notre métier a un petit rapport quand même avec les vampires, c'est-à-dire moi je vois aussi avec tes musiciens, dès que vous êtes charmant dans la vie, pas de problème, dès que vous avez les instruments, vous êtes des vampires, c'est-à-dire vous êtes passionné par eux. C'est d'autres personnalités. Je pense que nous, c'est pareil sur scène. Hein. Dès qu'on rentre sur scène. Dès qu'on rentre, il y a un truc un peu... Ouais, mystique. Ouais. Et d'ailleurs, après, souvent, le spectacle, il y a un truc, on ne sait plus, c'est un peu comme dans les films de vampires. Ah, oh, tu es là, oui, à nouveau. c'est très étonnant. Et ça t'a servi pour les chansons que tu as fait après? Alors oui, notamment d'ailleurs dans le chanson des vampires des Raptou, il y a une mélodie. Un truc un peu mystérieux. On a pu reprendre la chanson, mais voilà. Et sinon, dans certaines mélodies. Puis de toute façon, après, les deux autres aussi étaient musiciens, sont musiciens, et donc on a vite pris goût à essayer de trouver des chansons par rapport à une idée de sketch, bien évidemment. Mais c'est, en plus, c'est des succès de chansons. Ils ont fait plus de tubes que la plupart des chanteurs. Ils sont dans toutes les têtes de tous les Français. En tout cas, on avait l'esprit libre aussi. Pour ça, c'est pour parler d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est sûr qu'on avait l'esprit libre. Mais un boulot d'attitude aussi. C'est que tous les gestes, les danses, les façons de bouger. Les clips, tout. Ouais, c'est non, tout. Enfin, elles sont dans ma playlist, hein, parce que... elles sont dans ma playlist, c'est quand même des tubes. Alors, Selig, il m'a toujours dit, pour lui, De Funès et Les Inconnus. Je lui ai dit tout à l'heure. En fait, je suis super content de le recevoir aussi, parce que je me suis dit, vous deux, ça allait super bien gazer, mais en plus, ce mec, il remplit des zéniths, il remplit l'Olympia plusieurs jours de suite, et il passe jamais à la télé, et là... Il vient ici faire confiture. Ouais. Alors, merci, vraiment. Non, mais parce que t'es mon pote et puis j'adore. Et puis voilà. Mais... Ce que j'ai remarqué dans tout ce que vous écrivez, je ne sais pas si ça vient de... Je pense que c'est encore plus dur de la musique. C'est-à-dire que les mots, où vous les placez, le choix des mots et tout ça... C'est une partition. C'est-à-dire que je pense que... J'espère, parce que là, je suis face à Didier Bourdon, Les Inconnus, mais écrire un sketch, c'est une partition. C'est-à-dire qu'on change un mot, la vanne, elle est morte. On rallonge la vanne, elle est morte. On raccourcit, c'est mort. Il faut que ça soit... Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut avoir c'est au métronome et il faut jouer chaque soir la même partition avec la même énergie comme si c'était la première fois qu'on sortait la vanne, quoi. Donc c'est ça, c'est une... Là, je rebondis juste sur l'énergie parce que j'ai un petit souvenir, je ne sais pas si vous le garderez d'ailleurs, mais près de chez moi habitait Mouche, qui était la première femme de Dick Rivers. Bien sûr, Mouche. Tu l'as connue? Ouais, enfin de nom, j'ai entendu, ouais. Et je jouais La Cage aux Folles, et un jour, elle me voit aller au théâtre, elle me dit, oui, on t'a l'air contrarié, t'es triste, pourtant c'est super pour toi. Et je lui dis, non, je suis heureux d'y aller, mais j'espère avoir l'énergie. Parce que c'est ça que tu crains, c'est un peu de ne pas avoir, tu sais, au moins la biscotte. Ou... Oui, parce que les trucs, on les connaît, on l'a tous. On l'a tous. Mais on sait que s'il n'y a pas la moelle, voilà. Comme en musique, hein, j'imagine. Pareil. La meilleure vanne du monde, si on l'envoie avec aucune conviction. Oh, finesse. Il vaut mieux d'ailleurs une mauvaise vanne avec conviction. Ouais, qu'une très bonne vanne balancée comme ça, où les gens vont dire, ouais, bon. C'est une partition, vraiment. Tu sais ce que c'est, un gentleman? Un gentleman, non. C'est un mec qui sait jouer de la bombarde, mais il n'en joue pas. c'est classe. Elle est jolie, celle-là. Elle est belle, celle-là, tu vois. Elle est belle. Ça, c'est un gentleman. C'est joli, ça. Ah, ouais. On y va? Je vais écouter ça. Super. Un mec qui flippe pas déjà. Ah ouais, mais j'avais été au fourneau, moi j'étais comme ça. Oh,
j'aurai le BEP, en tout cas, j'ai fini. Alors, juste un truc. Ouais. Imaginons que tu as envie d'emmener le recette ailleurs. Est-ce que ça t'arrive d'improviser dessus? De faire un truc un peu... Alors, pas sur celle-là, parce que celle-là, je ne l'avais pas faite depuis 33 ans. Mais les autres recettes, effectivement, j'improvise des trucs, je change, parce que sinon tu manges toujours la même chose. Donc à un moment donné, c'est comme tout à l'heure, j'entendais toujours la même musique, tu vois, il y a un moment, il faut changer de... Donc là, j'ai pas improvisé, parce que là, j'avais pas fait le truc depuis 33 piges. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, ouais. Et je t'ai toujours connu comme humoriste. Et là, j'apprends que pendant 10 ans, t'as fait de la cuisine. Ouais. Bon, attention, j'ai fait de la cuisine un peu rue Mercière, pour ceux qui connaissent la ville de Lyon. Bistrot de Lyon, etc. Et après, j'ai vite été en maison de retraite. D'où le sketch. D'où le sketch, j'ai demandé. Parce que, non, mais j'avais du temps. Parce que je commençais le comique. Mais j'avais pas de temps le week-end, je travaillais. Et moi, en maison de retraite, j'avais un week-end sur deux. Et je finissais à 19h. Et le soir, je pouvais aller au café-théâtre pour raconter mes premières conneries. Voilà. Ah ouais. Donc toi, t'as bien fait des baloches au début. Oui, toujours. Voilà, toujours. C'est là où j'ai appris à m'adapter aux gens, à improviser et tout ça. Et ben voilà. Donc la prochaine fois, un saucisson brioché. Alors. Ah bah là, ouais, facile, là. La plus facile, là. La classique. Hein. Là, finger in the nose, comme on dit. Bon, ben, moi, je vais te laisser travailler. Ouais. On va aller bosser un peu, nous. Ouais, vous avez chanté une chanson encore toujours. Ouais, mais pas tout le temps la même chose. Ouais, parce que Allez, ça va. Vous avez le temps. Le temps que je dresse tout. Et on se revoit après, après pour une dégustation. Allez, là. On peut plus rien dire. Si tu veux pas te trouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi. On peut plus rien dire. Si je veux parler d'Allah, on va me dire là vaut mieux pas. Si je prononce le mot qui part, t'es gentil, tu la gardes pour toi. Si je vous dis Jésus, désolé, ça n'intéresse plus. Et pareil pour Bouddha. Ah oui, le fromage des Pays-Bas, on peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi. On peut plus rien dire. Si t'as une surcharge pondérale, on t'oblige à crever la dalle. Si j'ai envie de refumer, sur j'aurai le cancer dans l'année. Si je me décide à faire du sport, on m'y fait gaffe, pas trop d'efforts. On peut plus rien faire. Si j'ai que j'ai un ami homo, attention, dis pas que c'est un PD. Si j'ai que j'ai des côtés macho, ouais, t'es plutôt qu'un obsédé. Si j'ai que j'aime bien les animaux, ils vont penser que je suis zoophile. Si j'avoue que j'aime bien les marmots, ils vont me dire je suis pédophile. On peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi. On peut plus rien dire. On fait un cas au radar, au mota, au pina, au rica, au péta, au cléba, au papla, on peut plus rien dire. Tu dis la France quand même, c'est vrai c'est un beau pays, mais tu rigoles, la France c'est un pays pourri. Peut-être en fait t'as raison, c'est pas si bien qu'on dit. Eh ben alors, connard, qu'est-ce qui t'oblige à vivre ici, on peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. Faut faire gaffe au radar, au pinard, au pétard, au papla, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec toi, mais c'est pas nous qu'on fait la loi, on peut plus rien dire. Faut faire gaffe, faut faire gaffe, faut faire gaffe. Pour faire gaffe, 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 pour faire gaffe. Monsieur Bourdon ? Oui. Papier, s'il vous plaît. Peut plus rien dire. Peut plus rien dire. Mais si, moi j'ai envie de dire, il est l'heure de la dégustation avec Céline. Alors, je voudrais d'abord vous servir un petit verre de vin. Alors, il faut savoir que celui-ci, qui est blanc, a été vinifié normalement. Et celui-ci, qui est noir,
et a été vinifié avec de la musique. D'accord. Oui, mais le vin est rouge. Hein, parce que... ouais, le vin, il est rouge. Parce que tu as présenté en disant qu'il est blanc. C'est l'étiquette qui était blanche. Donc, c'est la maison Maya. Donc, il lui passe et de la donc musique je vous sers un peu musical. Hein. Oui, mais avec modération. Oui. Avec modération, évidemment. Alors, ça, c'est le nom musical ou c'est le musical, non, c'est musical. Ça, c'est le musical. Oui, mais j'aimerais bien goûter le nom musical d'abord. Après, je vois le truc, non? Bon, mais attends, je vais te faire, je vais te filer un deuxième verre. Thank you. Ah bah oui, 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 bah oui, c'est ça qui est bien, c'est de... Merci. J'avais fait ici une vidéo qui a très bien marché avec un garçon qui s'appelle Morgan sur les cigares et sur le rhum avec Pascal Gittimus. Ça me rappelle ça parce que je pense qu'à l'écran, les gens voudront savoir ce qu'on pense. Ça, musical. C'est pas musical, en effet, j'entends rien. Ça, c'est voilà. Ça. Et là, j'entends... Oh putain, c'est Michael Jones à la guitare. Marie-Sandra, t'as chanté une chanson... américaine, mais chantée par une Québécoise. Oui. Et c'est à cause de tes origines? Un peu, oui, parce que je suis née au Québec, à Montréal. Et je pense beaucoup à mes parents, parce que je ne les ai pas vus depuis le mois de février. Donc, à cause de quoi? Ah, devinez. Et puis, ben, ils vont très bien, grâce à Dieu. Et puis, j'avais envie de chanter cette chanson, parce qu'elle est touchante, puis en pensant à eux. Mais elle te va très bien, cette chanson. Merci. Et donc, le vin musical, hein? Peut-être tu nous as un peu formaté, hein. Mais il a quelque chose de... pétillant, je trouve. Il a quelque chose d'incroyable. Mmh. Bon, après, c'est des... Attends, les degrés, il faut peut-être pas dire les degrés, parce que là... Je vais donner mon verre à Didier. Comme les anciens, toi. Moi, je bois comme... Voilà. Attends. Tu sais, tu dois le mettre comme ça et tu bascules. Tu nous as fait un plat ancien, donc je bois à l'ancienne. Ah oui, c'est vrai. À l'ancienne. On se croirait sur les tournages, tu sais, dans les années 70. Ouais, impeccable. Et donc ça, c'était ton examen, voilà. Ouais, sauf que, à la base, c'est du pintado qu'il faut mettre dessus, mais le pintado, on n'en trouve pas, c'est que pendant les périodes de chasse. Et là, il n'y en a pas, donc on a fait une pintade, donc on a fait un morceau. Normalement, le pintado est mis sur un plus gros canapé, dessus, avec du cresson, etc. Donc là, je l'ai un peu remis un peu plus moderne, mais la base est la même, quoi. C'est pour les techniques. Et là, c'est quoi, ce... Alors, ça, c'est un pain de mie tranché, creusé. Oh, et dedans, une farce avec foie de volaille, flambé cognac, passé au tamis, etc. Envie, etc. Voilà. Et puis, bravo. Des pommes pour donner un peu le côté acidulé du truc. Mais j'avais pas refait ce plat depuis 30 ans, plus de 30 ans. Surtout, ne quittez pas, parce que maintenant, on va vous passer, pendant que nous, on mange, un super groupe local. Je parlais de Something.